أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وإذا أعجبكم فيديو اضغط على لايك وشكرا. L'histoire d'aujourd'hui est Martine, vive la rentrée. Lundi, les vacances sont terminées. Viens-tu à l'école avec moi? Demande Martine à son frère Jean. Oh non, je préfère jouer avec Patapouf. Alors, tu ne seras jamais un savant. Martine croise le meunier sur le pont. Pourquoi es-tu si pressé? Lui demande-t-il. Parce que je vais à l'école. Et que fais-tu à l'école? J'apprends à compter, à écrire et à lire. Dans la cour, la maîtresse accueille les enfants. Bonjour Martine, dit la maîtresse. Tu t'es bien amusé pendant les vacances? Oh oui, j'ai été à la mer, chez mon oncle François. J'ai fait une promenade en bateau avec Nicole et Michel, et nous avons visité le port. La cloche sonne. Mettez-vous en rang et entrez. Mardi, à l'école, Martine a son porte-manteau et son pupitre. Elle écrit une addition au tableau. 3 plus 2 égale à 5, dit Martine. Pourvu qu'elle ne trompe pas, pense son amie Marie-Claire. Toute la classe écoute la leçon avec attention. Mercredi. Martine apprend à tricoter. Je tricote un bonnet pour Françoise, dit Martine. Qui est Françoise? Demande Marie-Claire. C'est ma poupée, celle qui a un chapeau neuf et des boucles d'oreilles. Jeudi midi. Les élèves quittent l'école en courant. Au revoir, Martine, dit Marie-Claire. On n'a pas classe cet après-midi. Tu viendras jouer à la maison? Oui, je viendrai avec mon frère Jean. On s'amusera tous les trois. Jeudi après-midi. Marie-Claire, Martine, Annie et Jean jouent à cache-cache dans le jardin. Viens par ici, derrière les fleurs. Attends-moi, j'ai perdu ma chaussure, dit Jean. Maintenant, tout le monde est caché. Ça y est, tu peux chercher, Marie-Claire. Vendredi. Tout le monde est de retour à l'école. Martine écrit sur son cahier. Écrire est amusant, mais il faut faire bien attention. Il s'agit de ne pas dépasser la ligne rouge et de mettre un point sur le i. Sur la couverture, Martine a écrit son nom. Samedi, Martine récite sa leçon. Je vais t'apprendre l'alphabet, dit la maîtresse. A, B, C, D, E. B, ba, bi, bo, bu, font les oiseaux dans la cour. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande le merle. Que l'hiver approche, répond le moineau. À 10h, Michel et Bernard jouent aux billes. Les billes en verre coûtent cher, dit Bernard. Il ne faut pas les perdre. J'en ai acheté 5 hier. Moi, je préfère la verte avec du rouge au milieu. Viens sauter à la corde, dit Martine à Marie-Claire. Lorsque l'école est finie, Martine rentre à la maison. Bonsoir, Martine, dit le chat. Combien font 2 plus 2? 2 plus 2 égale à 4,
Tu as quatre pattes. Il y a trois canards au milieu de l'étang et un merle dans le cerisier. Tu en connais des choses? Qui t'apprend cela? C'est écrit dans le livre de calcul. Maintenant, dit Martine, vite à la maison. En chemin, elle rencontre Patapouf et Médor, le chien de la ferme. Ils sont toujours ensemble. Qu'est-ce qu'un A? Demande Médor. Et un O? Dit Patapouf. Dans chocolat, il y a un A et deux O, répond Martine. Dans le jardin, Pierrot ramasse des pommes. Martine, raconte-moi une histoire. Asseyons-nous là, dit Martine en ouvrant son livre de lecture. Il y avait dans un jardin une petite fleur qui sentait si bon que tout le monde était content. Le soleil et la rosée l'aimaient beaucoup. Enfin, Martine arrive à la maison. Elle est heureuse de revoir sa maman et son petit frère. Tu sais, dit Jean, j'ai réfléchi. Demain, j'irai à l'école avec toi. Alors, nous allons faire le devoir ensemble. J'écris les additions et tu me donnes la réponse. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Pierrot, Jean et Martine rencontrent le meunier. Où allez-vous tous les trois? Demande-t-il. À l'école de Martine, pour apprendre à lire l'histoire de la fleur qui sent bon, répond Pierrot. Et moi, pour devenir un savant, dit Jean. Et ainsi s'achève l'histoire. Martine, vive la rentrée. Au revoir.